Coucou, j'ai encore une carte à faire et j'avais envie de faire un grand modèle de carte. Voilà, je ne sais pas pourquoi. J'ai pris une feuille entière, mes fameuses feuilles là que je prends en ce moment. Voilà, les Clairefontaine, 210 grammes. Je trouve que à travailler, elles sont bien à travailler. Donc j'aime bien. voilà, je me sers de ça. Je les ai trouvées à Leclerc, au rayon où ils font les ramettes de papier. Du coup, la feuille, je l'ai juste pliée en deux, comme ça. Voilà. J'ai pris dans la collection que j'avais achetée chez Scrap Influence, j'ai pris une feuille. Bon, il y a deux fois les mêmes feuilles, donc j'ai pris cette feuille-là, ce côté-là. Bon, de l'autre côté, c'était sympa aussi. Mais bon, hein, quand on a deux côtés, il faut faire un choix. Donc là, c'était des toutes petites fleurs. Donc j'ai trouvé ça bien sympa. Alors, je vous dis la largeur que ça fait. Là, en ayant plié ma feuille en deux, ça fait 14,7. Voilà, à peu près, hein. Là, j'ai 14. 13,9. Donc du coup, ça fait pas beaucoup de blanc sur les côtés, mais un petit peu quand même. J'ai coupé mes bords. Voilà. Je vous ai pas dit la hauteur, je vais vous le dire. Parce que des fois, je sais que vous aimez bien avoir les dimensions. Ça fait à peu près 20 cm. Voilà. Mais après, vous adaptez selon votre morceau de papier, hein. Ensuite, j'ai redécoupé un morceau de Clairefontaine. Cette fois, là, il fait 11 sur 17 pour mettre là. Et j'ai ancré les bords avec la Versafine Versa Magique. Voilà. Mais ça doit servir à un truc. Encre à effet pastel. Voilà, bon. Ça doit peut-être qu'on doit faire, on peut faire autre chose avec. Donc c'est très très léger. J'ai prévu de le mettre là. Ensuite, je voulais mettre un meilleur vœu. Alors j'avais d'abord fait ça. L'encre, elle me disait que c'était une encre fuchsia. En gros, c'était pas rouge. Je sais plus où je l'ai mise. C'est laquelle? Celle-là. Voilà, je pensais que ça allait faire un fuchsia, mais au final, quand j'ai tamponné dessus, ça faisait rouge. Et je trouvais que ça n'allait pas avec ma carte. Et puis, bon, je sais pas, ça me plaisait plus. Donc, du coup, j'ai fait juste sur un petit papier blanc avec du gris, comme ça, du Memento gris. Mais j'aime bien ces encres-là parce que c'est des tout petits formats, ils sont à entre 2 et 3 euros. Et du coup, on peut avoir plusieurs couleurs pour faire des trucs sympas. Et je l'ai mis là, mais je fais, c'est un peu fade. Voilà, donc. Faudrait un fond, donc j'ai trouvé un fond. Voilà, donc j'ai découpé un petit morceau de papier de 7 sur 10 à peu près. Je l'ai pris dans ce bloc-là. Voilà. Et hop, et je me suis dit comme ça ressort bien. Voilà. Donc je vais d'abord découper, coller tout ça. J'ai fait tous les découpages avant. Bon, j'ai sorti des strass. Je ne sais pas si je vais les mettre ou pas. Enfin, je ne les ai pas spécialement sortis, mais ils étaient sur mon bureau. Donc voilà. Je vais coller tout ça. Et donc j'ai envie de coller tout en mousse. Parce que la mousse, finalement, elle n'est pas si épaisse que ça. Et ça fait un petit relief. Moi, j'aime bien. Je suis partie un peu de travers là. Ouais, bon, tant pis. Donc je vais mettre trois morceaux, un au milieu et un sur chaque côté. Oui, c'est encore une carte de vœux, mais après le sentiment, vous pouvez mettre joyeux anniversaire. Hein. C'est juste parce que moi là, j'en ai encore une à finir. Je devais vous faire une carte avec la licorne, mais ça sera pour une prochaine fois. Parce que là, faut vraiment que je finisse et que ça parte, surtout que ça parte le plus rapidement possible. Donc voilà. Oui, les dernières, du coup, je fais pas des séries à la chaîne hein, comme j'ai pu faire les dernières cartes, mais je suis contente parce elles ont toutes été postées, donc c'est génial. Donc voilà, on va mettre celui-ci, on va mettre celui-là. Hop.
Et après, je vais essayer de vous faire des tutos de cartes un peu plus compliqué, c'est pas le mot que je cherche, un peu plus travaillé, voilà. Là, c'est bon, celle-là, elle est quand même. J'espère qu'elle va être sympa au niveau au final. Bon, c'est une carte de vœux, mais elle est quand même très printanière. Hein. Fait pas vraiment hiver. Mais j'ai envie de retrouver du pastel. Moi, ça me manque de travailler. Là, d'avoir fait plein de trucs de Noël et tout, des couleurs, on va dire des couleurs plus ou moins chaudes. Enfin, c'est pas vraiment des couleurs chaudes. Enfin, du rouge, du vert, des couleurs foncées et tout. Le pastel me manque. Donc, vous allez voir dans cette création que je retourne à mes sources, si on peut dire. Hop. Donc là, j'ai fait pareil. Un morceau et je le mets un morceau au milieu, un morceau sur chaque côté. Hein. On n'a pas vraiment besoin de tuto pour expliquer ça. Mais en même temps, comme ça, je le fais avec vous parce que vu que j'ai déjà tout découpé ensemble, tout découpé avant, pardon, de tourner la vidéo, bah, si j'avais tout découpé et tout collé, bah, au final, ça ne servait à rien de faire une vidéo. J'avais plus rien à vous montrer. Hein. Hop, donc trois bouts et je pense que le prochain j'en mettrai que deux hein, puisque j'aurai pas assez de place. Et ce qui est bien avec les grandes, la mousse en rouleau comme ça, c'est que il n'y a pas besoin d'enlever 50 petits carrés de protection derrière. Alors ça c'est vraiment le truc qui me saoule. Voilà. Hop, ça j'ai dit que je le collais comme ça. Voilà, et vous voyez, j'ai arrondi tous mes angles. Hein. Tous les morceaux là que j'ai rajoutés, j'ai arrondi tous mes angles. C'est bien lui. Oui, c'est bien lui. Hop. Hey, oui, alors j'aurais dû utiliser la méthode de Lucie, mais à chaque fois j'oublie. C'est juste quand j'arrive à la fin que j'y pense. Bref. Ça avait fait avec un bloc, en plus j'en ai un là. Hop, elle met son masking, elle met son rouleau. Elle est au bout. Elle met son rouleau, elle appuie. Et après, crac, ça se découpe tout seul. Du coup, ça abîme pas les ciseaux. Et à chaque fois, et j'y pense après. J'y pense trop tard. Donc, voici le meilleur vœu qui va être collé. Ah, il y a une petite tache. Bon, bah, c'est pas grave, il y a une petite tache d'encre. Bon, je vais le décaler un petit peu en bas, voilà, pour faire un petit effet décentré. Donc, ça donne ça, la base. Voilà, vous voyez, c'est tout. Tout est en mousse 3D, mais c'est léger quand même, c'est pas non plus truc de fou. Donc, j'ai envie. Alors, c'est bizarre, hein, parce que j'ai acheté, les die cut qui allait avec le papier, mais j'ai envie d'utiliser ceux-là, donc ceux de chez FDECO. Donc je vais utiliser ceux-là. Ah, hein. Oh, il y avait ça, c'était sympa ça. Mince. Ah oh, bah c'est trop tard, maintenant c'est collé. Vraiment que je le. Ah, je sais ce que je vais faire. Du coup, je pourrais m'en servir deux fois. Je vais la couper en deux. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est folle. Je vais la couper en deux et je vais la glisser comme ça. Ah ouais? Comme ça, on a l'impression que ça fait tout le rond. Mais au final, je l'ai mis qu'une fois. Bah c'est pareil, on va mettre. Ah, je sais pas si je mets de la mousse. Non, je vais la coller simplement parce que si je mets de la mousse, ça va. Enfin, ça va pas aller en dessous. Je vais pas pouvoir la glisser en dessous. Donc je vais mettre de la mousse. De la colle, pardon. Moi, c'est. Celle-ci en ce moment, c'est celle que j'ai sur le bureau, puis finalement ça colle pas si mal, donc voilà, voilà. Hop, donc ça, on va la glisser, qu'on ait l'impression que ça soit en dessous le morceau de papier rose. Voilà, et j'ai vu qu'il y avait des branches avec un oiseau dessus. Il est où? Il est là. Oui, je crois que c'est celui-là où il y a ce. Non, celui-là, il n'a pas de branche.
Ouais, il y a les petits lapins, les petits bambis, mais ça, je crois que je vais me les garder pour moi. Égoïstement. Donc je vais mettre. Ah ouais, ça fait peut-être trop avec. Je vais coller ça en haut, là, comme ça. Mais je vais me faire un petit repère derrière parce que je vais pas mettre de la colle partout. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, je vais pas mettre de colle là puisque ça va être sur cet endroit-là. Donc sinon, si je mets de la colle, ça va pas faire très très droit. Donc je mets de la colle juste de manière à ce que ça colle sur le papier blanc et pas sur le papier fleuri. Voilà, génial. Alors pour le moment, ça donne ça. Et il faut que je trouve un animal à mettre ici. Alors je ne sais pas si je voulais mettre ça tout à l'heure. Mais je sais pas. Bon, finalement, je vais peut-être mettre. Je vais peut-être mettre un bambi ou un lapin. Ah, il y a Bibounette qui réclame à manger. J'avais vu un autre lapin tout à l'heure, un petit lapin. Ah ouais. Ouais, ben, c'est bon. Je mets le lapin. Ah, du j'ai vendu. Je mets le lapin parce que moi j'aime beaucoup ça les lapins. Non mais c'est mignon quand même. Il est tout blanc mais il est trop mignon. Et je le mets comme ça. Voilà. Bah écoutez, c'est pas si mal, hein. Moi j'aime bien. Et est-ce que je mets des strass quelque part? Ah ouais, une bande là, c'est pas mal. Parce que de toute façon, j'en aurais pas assez pour. Ah bah, je vais la mettre là. Ça va donner un petit peu de lumière, on va dire, à la création. Par contre, je vais couper une rangée là parce que je me suis rendu compte que ça va dépasser sinon. Même deux rangées. Et voilà. Ouais, c'est pas mal. Donc voici ma grande carte terminée. Il y aura juste à mettre un petit mot à l'intérieur. Un petit, bah du coup, va falloir écrire gros, hein. Sauf si on a tout un roman à écrire. Mais voilà, je trouve, bah, je la trouve pastel, je la trouve rose et je la trouve un peu chabille quand même, non? Donc dites-moi ce que vous en pensez. Alors, je vais coller peut-être un truc là avant de vous laisser. Il faut que je trouve une petite. Je vais mettre une petite fleur là. Ouais, je vais rajouter une petite fleur parce que ça m'embête, il y a une tache ici. Donc je vais faire ça avec un petit carré de mousse 3D. Donc, je cherche ma mousse. En même temps, je regarde l'heure. Ah, 1h10. Et je pars à 1h. Donc, je vais me dépêcher. Voilà. Alors, je mets des petits carrés. Vous savez, mes petits carrés que j'aime pas. Mais là, j'ai pas le choix. Mais bon, ça va. J'en ai que 4 à enlever. Donc, ça devrait le faire. Hop. Hop. Bon, là, il y a meilleurs voeux, comme je vous ai dit. Mais ça peut être très bien pour. Joyeux anniversaire, bonne fête, amitié, bon rétablissement, enfin bon, tout ce que vous voulez, quoi. Après, on s'adapte. Ouais, je vais mettre la fleur là. Voilà, voilou!
Donc, c'est terminé. J'ai caché la petite tâche. Et ma carte est terminée. Je vous fais à toutes et à tous des gros bisous. Et puis, bonne création. Allez, à bientôt.